ça a commencé par un élu de la commune qui voulait inviter ses amis chez lui. Et pour faire sympa, il a disposé des épetnards, comme on les appelle, jusqu'à sa maison et pour indiquer le trajet à ses amis. Et de là, avec ses amis, ils ont dit bah, pourquoi ne pas en faire une petite fête, une animation au sein du village. Ça a pris et bon, voilà, depuis 24 ans, ça dure. Moringhem est connu à travers le Pas-de-Calais, même le Nord, pour ses épetnards. Et ça fait toujours plaisir de voir des associations caritatives, des associations d'handicapés qui non seulement viennent visiter, ça leur permet d'avoir une sortie, et qui aussi contribuent à ce mois des épetenards, parce qu'ils fabriquent dans des ateliers, dans leur association, des épetenards qui viennent poser librement un peu partout dans le village.